Ton micro? Bien sûr. Génial. On va passer à une. Alors là, c'est une autre surprise. Oui, voilà, une deuxième surprise, rien à voir avec de la musique. Non, là, c'est un petit moment de rire. Je tiens le rideau. Un jeune humoriste qui vient de la région aussi. Il est passé dans l'émission Vous avez du talent sur IDF1. Et nous allons le découvrir dans Je fais des souvenirs pour les photos. Nous allons le découvrir dans un petit costume de scène, très sexy, je dois dire. Oui, costume de scène très sexy, je crois. Voilà, je récupère un micro, il faut tout faire ici, hein. je suis désolé. Alors nous allons accueillir Raphaël. On va accueillir Raphaël Béor. Sur vos applaudissements, messieurs dames, Raphaël Béor. Oula. Non, on a demandé Raphaël. Raphaël. Oh, mais c'est mamie, c'est pas Raphaël sur scène. Ah. Mais non, putain, bon sang. Je t'ai dit de rester en coulisses et moi seul sur scène. Oh, mais il y a du monde là-dedans. C'est pas possible, on en a partout. J'ai l'impression d'être blessé, mon vieux. Sauf que moi, je suis pour la capote. Oh là là, j'ai pas Christian, arrête de tripoter les pompiers sans arrêt, mon sang. Mais c'est pas possible, t'as dû me garder cette sale manie, mon sang. Non mais attends, t'imagines le petit David Stéphane en train de se tripoter le bignou comme ça devant tous ses fans, là, en sortant demain qui vibrent, mais c'est pas possible, ça. Et le petit Soubi, non mais attends, t'imagines le petit Soubi, là, entrer sur scène comme ça, avec les portes de la cave ouvertes et les patates qui vont geler, non mais... Oh, je crois pas ça. Mais il me fait honte, ce gamin. Je me suis pas présenté. Je m'appelle Marcel Baudin, les bouchers. T'arrêtes de foutre de ma gueule, Christian. Ça fait 87 ans que j'entends cette belle stupide. J'en ai rien de place à ça. Oh là là, c'est pas possible. Et il a 5 ans de balai, je dois le surveiller comme un nouveau-né. C'est pas possible, ça. Ah là là. Oh là, je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé l'accouchement. Oh là là, 5,2 kg qui faisait à la naissance. Ça vous dit quelque chose, ça? Alors, les rien pour sortir la tête, j'ai poussé pendant 16 heures. Et à l'époque, pas de perte figurale, toutes ces conneries-là. Hein? Et après, la tête a fait sortir les épaules. 2 jours que ça a duré. 2 jours, j'étais là, bramé comme un cerf. Comme ça, j'étais là. Avec une épaule. Et après, l'autre épaule. Et oui, mon petit gars, c'est comme ça s'est passé. Et après, la tête et les épaules, c'est parti, d'un seul coup. Je l'ai expulsé, comme un tout franc, la Zimédine Ziboudène. Oh là là là. On avait une petite chienne à l'époque, un petit épagneux breton qu'on appelait Sandria. Il l'a ramassé dans sa gueule comme un faisant le jour de l'ouverture. C'est la mère qui a coupé le cordon. Heureusement, son père était là, il l'a arraché de sa gueule avant qu'il en manque un bout. Et après, il a posé sur mon ventre. Oh, était-il mêlé. Oh, tout bleu comme un gros steak pour lui. Et lui, il est là, non, mon grand steak, dans les coulisses. Hein. Il est toujours pas cuit, mais il est là quand même. Hein. Ah, et puis il est papa, mon grand steak. Hein. Ah, je peux vous dire qu'une fois sur mon ventre, il n'a pas mis longtemps à trouver la tétine. Ah, vache, tétine boule celui-là. 8 litres matin, midi et soir. Il manquait de calcium, ce petit mignon. En attendant, c'est lui qui m'a foutu les nichons comme des bérets masques. Oh là là, c'est pas possible, chien. Oh là là. Et puis vous avez vu l'ambiance, il y a Artemis ici, avec tous ces petits artistes là. Oh là là, le David Stéphane, le Soupy, le Romain Michel, ils devraient faire les esters académiques, je peux vous dire. Oh là là, que je suis content d'être là. Oh là 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 là. Ça va bien ici? Oui. Ah bah, on voit que Sarkozy va passer par là, hein. Ah bah, je le vois bien. Bon bah, écoutez, c'est pas tout ça, mais il faut que je m'en aille parce que c'est l'heure de la dictée de mon gamin. Et puis toi, arrête de tripoter les paupières, je t'ai dit sans arrêt, c'est pas possible. Je vais te lâcher les chamallows devant 300 personnes, tu vas voir. Tu paieras pour attendre, c'est moi qui te dis. Allez, viens ici, toi, t'es chier.